Manchester City continue d'épater le monde du foot. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Manchester City. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les gars, Manchester City continue d'épater le monde du football. C'est une équipe qui commence à faire ses preuves en Europe. Parce que dans le passé, c'est une équipe qui avait du mal sur le plan européen. Je me rappelle lorsque Pep Guardiola a pris ce Manchester City avait été éliminé par Monaco, les amis. Monaco, en huitième de finale, Monaco. Lorsqu'on comparait les deux budgets, le budget de Monaco et le budget de Manchester City, il n'y a pas photo. Mais sauf que Monaco a mis Manchester City à la porte en huitième de finale. Guardiola a appris de ses erreurs. Ensuite, petit à petit, Manchester City a commencé à s'installer tout d'abord dans le dernier carré, en quart de finale d'abord, ensuite dans le dernier carré. Et ensuite, ils ont remporté la Ligue des Champions. Et par la suite, ils ont remporté cette super coupe, les amis, contre le FC Séville. Franchement, Guardiola est en train de mettre Manchester City sur la carte du monde. Parce que avant que Guardiola n'arrive, certes, ça gagnait déjà des Premier League, ça gagnait des Premier League, ça gagnait des Cups, mais ce n'était pas régulier en Ligue des Champions. Parfois même, ça ne traversait même pas les phases de poule. Ça ne traversait pas les phases de poule. Donc, chapeau à Guardiola. Guardiola qui est arrivé, il a mis ce City très très haut. City, en 6 ans, ils ont rapporté 5 Premier League. 6 ans, ils remportent 5 Premier League, les amis. 5 Premier League, c'est énormissime. Énormissime. Donc, bon courage à City, bon courage à Guardiola et moi, je les souhaite le meilleur pour la suite. Partage-moi ton ressenti. Est-ce que tu penses que Manchester City commence déjà à compter parmi les grandes Europe? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.